aujourd'hui, on va faire spaghetti bolognaise. Il faut 1000 ingrédients pour faire des spaghettis bolognaises. Alors, nous avons comme ingrédients de viande pas cuite. C'est super bon pour la santé, sauf qu'en fait, il faut les cuire avant de les manger. Okay. Ensuite, nous avons une carotte. Parle pas méchamment. De la sauce. Ce tomate. Après, on a du poivre et du sel. Sel. Et on a les pâtes. Donc, tout ça. Donc, tous les ingrédients vont nous servir à faire des. Bienvenue dans Far West. Je vous présente les pâtes. On a réussi depuis des années à enfin couper ce tissu. Et nous allons mettre ça. Là. C'est bon, tu sais. Allez! Allô, bonjour tout le monde. Prends ça, t'as ta bouche pour faire comme ça. Ngayon, si Chloe is magluluto daw kami na spaghetti bolognese à la française. Yo. Tu fais quoi, mon amour? Je montre mon visage. So, magluluto daw. Kasi kami, kasi nagre-request itong si Madam Chloe na magkakain kami ng spaghetti tonight. It's Wednesday. Kaya ilang pasaw. So, mayroon na kaming tubig na kainit. Ano ba kasi ito? Nous sommes dans le Far West. Alors, accrochez-vous bien. Ou sinon, on vous mord la peau. Non, survie. Allez, c'est parti! Patati, patata, papilou, papilo! Et donc maintenant, on va mettre ça dans le four pour faire la bouillon. Alors là, j'ai coupé, je sais pas trop ce que c'est en fait. Et j'ai coupé un autre, je sais pas trop ce que c'est. Et là, j'ai coupé les carottes et j'ai pas encore coupé les... Non, faut pas couper les champignons, même si j'ai pas les champignons. Et les pastas? Et les pastas, on va les mettre dans le bouillon. Bah, tu vas couiller tout ça? Non. Juste la moitié. Oui, je vais vider tout ça. Ouais. Ok. C'est des bonbons, Milo? Laisse-moi t'y faire! Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va faire des spaghettis
ça brûle. Pourquoi tu as dit que c'est la carte de 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 la carte Attention, hein. J'arrive pas à retourner. T'as vu les cartes au bol? Moi, ça m'a touché ici. Attention, attention. Il est plus ton ami dans mes balls, guys. Et voici Mishka. Dis-moi-le. Coucou. Tu parles anglais, Thérèse? Wow, ben, est-ce que le gars est un peu Hello everyone. La gala de la Asinio. Hello everyone, welcome back to my channel. La gala de la Asinio. Ma kulit, si Chloé, ma kulit, ma kulit, ma kulit. Ah! Tapos, kukunin natin yung anong di ako nagsukle. Tapos, pagkatapos ng... Je suis pas du tout ça, Kelly. Alors là, je goûte ça. Je sais pas ça, quel goût. Jadi saya secret dia di ketanggalan olah lo alih cerai kembali tu saya naik sih ketanggal nasa and now lutoan natin ang sibuyas. Okay, tutubong pa sa tubo. Tapos, lagay natin yung... I-fry natin yung sibuyas, guys. Same lang din yung pan. Same pan. Tapos... Wala. Wala. May nagkakang slide, ba? Eh, matang tutaki. Tapos yung champignon, isa-cut natin. Chong-chong siya kay. Chan-chan. Chicken sa. So, galit ang nakas. Champignons ici et après on va mettre le champignon dans Je vais te faire chez la maman c'est cool là pas ça. Ok donc le pâté est cuit t'attends le champignon
Tout bec. Attention, c'est trop chaud. Je cherche le beurre chaud. Hello. C'est bon, c'est bon. Tiens maman. Là je vais voir un peu d'Actimel. Alors ce que je suis en train de voir c'est de Actimel. Donc je sais que vous lisez à l'envers. Attends. Ok ça va, c'est pas terminé. Après, il a bien atteint un chéri, allez, vas-y, chéri. Donc, là, les pâtes sont cuites. Les pâtes sont cuites et après, on met quoi? Le beurre. Il a bien atteint un butter. On va mettre de beurre. Pasta. Butter. Voilà. Alors après tu dois mettre ça à côté. Ça peut aussi la grenade et tout. Donc, ça. On a mis le beurre à l'intérieur des pâtes. Des pâtes. On met à côté. Et t'as bien atteint et tout. Pasta. T'as dit les tests mon blouse autour de la taille d'un sauce. Ah non. Tu vas pas changer ce que tu mets en notre vidéo. Allez. Mets tout ça. Donc voilà, maintenant on va mélanger. Il y a de la caméra. On va mettre la gratine. Contain. Contém gata essa sauce na bolinha. Para a minha sara. Voilà. Les boulettes dedans. Mets le sel. Donc là on mélange. Et après on va mettre du sel. Là, maintenant on va mettre. Maintenant on va mettre du sel. Alors là je fais un peu. Mais du sel de poivre. Oui, je commence. Je commence par le sel. Ah là là, mais c'est temps.
Tu montes le fromage. On va chercher. Alors, je vais vous dire un truc, je ne sais pas quoi mettre. Je crois que je vais mettre. Je vais vous montrer la table. J'ai plus de champignons, je vous l'ai dit. Je l'ai mis quelque part, mais je pense pas que c'est... Ok, j'ai plus de champignons. J'espère. Attendez, ce sera plus cool. Maintenant, par mes pouvoirs, je veux que mon champignon revienne. Je vous ai dit, je sais faire de la magie. Donc, à tout de suite. Je vais pas en prendre beaucoup. Ouais. Ça, c'est assez parce qu'après, je vais tout gâcher. Hein. J'avais laissé la cuillère. Non, je blague, après, ça va là-dedans. Ah, ça va être bien nous tourner Chloé. J'irai. On va goûter, hein. Alors là, on est en train de goûter le pasta là. Donc voilà. Et en même temps, on va regarder des vidéos sur le triangle des Bermudes. Alors. Et puis on sauce non go at Chloé. Spaghetti bolognese à la Chloé, ciao. Donc voilà. Je vais bien regarder la vidéo. Stable.
s'agit de cimetières antiques, les choses deviennent tout de suite plus mystérieuses. Aujourd'hui encore, ceux qui survolent cette partie du désert du Sahara ne reviennent parfois pas. Tiens, je sais. De plus, les sols s'affolent et l'électronique se met à trembler. Des témoins ont même rapporté que l'endroit est recouvert d'une atmosphère lourde et sombre que l'on peut ressentir instantanément une fois qu'on y pénètre 90 tonnes chacune, ce qui rend leur transport pratiquement impossible. Mais alors, comment les ont-ils construites et déplacées entre 1400 et 1650? Les théories les plus indiquées attribuent cet exploit aux extraterrestres. Mais quelque chose nous dit que les rapatriés ont probablement utilisé une méthode différente, moins extraterrestre et plus fatigante. Ils auraient engagé des déménageurs. Numéro 7, l'anomalie de l'Atlantique Sud. Son nom en dit long. L'anomalie de l'Atlantique Sud est une zone de la planète où le rayonnement naturel échappe à tout contrôle. Les astronautes qui tentent d'observer cette zone dangereuse ont une estimation. C'est quoi ça, mon amant? C'est quoi ça? Alors que les amateurs de paranormal jurent qu'il s'agit d'un portail vers une autre dimension, c'est rien de Bermuda. C'est l'anomalie de l'Atlantique Sud. Oui, mais c'est quoi ça? C'est quoi le titre? C'est l'anomalie de la zone. C'est quoi ça? Voilà, nous avons fait le tour du monde deux fois. Et maintenant, tu sais quelles sont les 12 zones à éviter si tu voyages en bateau ou en avion. La seule chose qui nous reste à élucider, c'est pourquoi ces 12 endroits sont entourés de tant de mystères. La théorie la plus populaire au sujet de ces portails siviliens est liée à ce que l'on appelle les lignes de lait. Elle stipule que certains... Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas que le triangle des Bermudes, c'est important à ne pas y aller. Ne pas y aller au triangle des Bermudes. Même si vous êtes un expert. Même si vous ne connaissez pas. Même si vous ne croyez pas aux légendes du triangle des Bermudes, essayez pas trop d'y aller dans cette zone, ok? Mais j'ai une pause là. Des années plus tard, des plongeurs ont découvert une... Oh, un hélicoptère en dessous de l'eau. T'as vu? Non, c'est le reflet. Bon, merci. Thank you so much. Merci pour le 4-3. Arrivederci. Thank you for watching. Please subscribe and like, comment below para makabili ako ng Chloe. Okay? Kidansay. Mon. Today. Bye. Bye.